Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre du roman policier, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Le rendez-vous d'Honfleur, d'après le roman Pauvre petite crevette de Geneviève Manseron, adapté par l'auteur, avec, par ordre d'entrée en onde, André Vard, Geneviève Morel, Ginette Franck, Pierre Trabeau, Rosie Vart, Jean Mauvais, Pierre Leproux, Philippe Mareuil, Lily Sioux, Micheline Bonnat, Becky Rosanès, Evelyne Langeais, André Vastelet, Gaëtan Jor, Jean Bollo, Raymond Pélissier et Pierre Olivier. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean. Bruitage, Gabriel de Rivage. Prise de son, Jean Godet. Opérateur, Charles Marié. Assistante, Marie-Denise Vanda. Réalisation, Pierre Billard. Madame Ferial, vous qui êtes l'antiquaire la mieux informée de tout Paris. Oh, si. Savez-vous où je peux trouver des toiles de la Troche? Pouvez-vous vous en procurer quelques-unes pour moi? Des toiles de la Troche? Mais bien sûr, Monsieur Norton. Je n'aurais jamais pensé que vous vous intéresseriez à la peinture pompier, mais puisque vous voulez des la Troche, je vous en procurerai. Vous ne me menez pas un bateau? Parce que c'est sérieux, c'est pour mon magasin de New York. Je suis allé hier soir au Mathurin, on joue la nouvelle pièce. La pièce, j'ai rien compris. Mais le décor de Corinne Blin, ça c'est formidable. Ça va faire courir tout Paris. Quand j'ai vu ce tableau de la Troche qu'elle a flanqué au milieu de la scène au premier acte, cette magnifique pêcheuse de crevettes en maillot rouge avec des cheveux jaunes, je me suis dit, il me faut une vingtaine comme ça. Je vais révolutionner New York. Écoutez, monsieur Norton, oui, j'ai les plus beaux la Troche, les plus sensationnels, mais ils sont au nettoyage. Il faudra que vous reveniez l'année prochaine. L'année prochaine? Mais c'est demain! Alors, à demain! Et vous me gardez le premier choix. Voyons, monsieur Norton, vous me connaissez. Au revoir, monsieur Norton. Je compte sur vous. Comptez sur moi. Au revoir. Paulette! Paulette! Oh, mon Dieu, que cette petite est agaçante! Toujours en train de rêver. Madame? Es-tu sûre qu'on ait bien fait la commission à monsieur Grimm? J'en ai plus que jamais besoin de celui-là. Qui a bien dit qu'il devait venir aujourd'hui avant midi? Lui, madame? Oh, je suis sûre. Madame? C'est drôle. Il y a un type qui guette la boutique. Et alors, petite sotte? C'est peut-être un client qui hésite à entrer. Oh, c'est drôle tout de même. Un client ne resterait pas appuyé au mur d'en face sous la pluie, puis une demi-heure. Comment est-il? Pas très grand, costaud, avec des cheveux frisés, un blouson de cuir. Et il guette? File, Paulette, file. Va déjeuner, je garderai la boutique. Bien, madame. Dire que cet imbécile est venu jusqu'ici et qu'il n'aura pas le courage de rentrer. Bonjour, Fred. J'étais en train de me demander combien de temps tu resterais collé au mur d'en face. Alors, on ne dit plus bonjour? Bonjour. On ne me dit plus tante Juliette? Vous en avez de bonnes. La dernière fois que j'ai fichu les pieds dans cette boutique, c'était pour me faire balancer, moi. Alors, du coup, je ne suis plus tante Juliette. Écoute-moi bien, mon petit. Pas de malentendu entre nous. Rappelle-toi que je t'ai recueilli quand tu avais 13 ans, que je t'ai élevé, que je t'ai appris un métier... Et vous m'avez balancé. Parce que tu m'avais fait une crasse. Tu n'avais pas besoin de peindre un faux Modigliani et de le coller à un de nos clients. Vous savez bien que c'était pour rire. Ce genre de rigolade, ça coule un homme et une maison. Oui, je comprends que sur le moment, tu n'aies pas réfléchi. Non, je n'ai pas réfléchi. Et c'est après, en mangeant de la vache enragée, que j'ai réalisé tant de Juliette. Fred, écoute-moi. Oui? J'ai une affaire à te proposer. Je vais t'expliquer. As-tu vu la dernière pièce des Mathurin? Non. Non, non. Alors écoute-moi bien. Le décor a été fait par Corinne Blin. Et au premier acte, il a été conçu de façon à mettre en valeur un énorme tableau de la Troche qui tient à tout le centre de la scène. La Troche? Qui est ce gars-là? C'était le plus pompier des peintres pompiers. Il est mort en 1915, vieux comme le Pont-Neuf. Seigneur, et qu'est-ce que ce fameux tableau représente? Il s'appelle Pauvre petite crevette. C'est lui qui donne son titre à la pièce. C'est une chose insensée. Figure-toi une baigneuse.
Une grande fille potelée qui brandit une épuisette au milieu de rochers rouges et de vagues vertes. Elle porte un costume de bain lacé de rubans rouges. Ses cheveux d'or lui tombent jusque sur les reins et elle cligne de grands yeux bleus. Tu vois, c'est d'ici. Ah oui, ça va être joli. Oui, mais trois clients m'ont déjà demandé des latroches. Il y en a un qui sort d'ici, un décorateur américain de Park Avenue. Et naturellement, vous n'avez pas un seul à vendre. Pas l'ombre d'un. Dans tout Paris, il n'y a que Corinne qui en est. Écoute, Fred, il s'agit d'un coup préparé de loin. Corinne a dû stocker des croûtes de latroche qu'elle a eues pour un morceau de pain. Oui. Aujourd'hui, grâce à la publicité que lui fait son décor, elle peut les vendre aussi cher qu'elle voudra. Et alors ? Fred, je veux lui faire échouer sa combinaison à cette ordure. Tu vas m'aider. Moi ? Rassure-toi. Je ne vais pas te demander de fabriquer de faux latroches. Vois-tu, mon petit Fred, je suis une des rares personnes à Paris qui sache où retrouver la veuve de latroche. Une centenaire, alors ? Non, non. Ce vieux satyre s'est remarié un an avant sa mort, avec un de ses modèles, une fille de 17 ans, celle qui a posé pour la baigneuse, précisément. Lorsqu'il est mort en lui léguant tous ses tableaux, la pauvre fille s'est crue riche. Elle a déchanté. Le marché de la peinture pompier venait de s'écrouler, les bourgeois découvraient les impressionnistes. Les toiles du vieux latroche ne valaient plus le clou pour les accrocher. La malheureuse Madeleine venait nous offrir des baigneuses, des dianes et des sorcières. Que nous ne voulions même pas garder. Latroche ne lui avait laissé que ses croûtes ? Oui, avec une petite ferme en Normandie. Toute la fortune allait à un petit-fils par le premier mariage, un certain Maurice de Latroche, qui doit avoir 20 aujourd'hui. De Latroche ? Ouais, il s'embête pas. Hein. Et elle, la vieille, enfin, qu'est-ce qu'elle est devenue ? Elle n'a pas essayé de se refaire une vie à Paris ? Non, elle s'est enterrée dans sa ferme, sur la côte de Grasse, près de Honfleur. Après la mort de son vieux mari, elle a dû avoir une aventure d'amour qui a mal tourné. Elle ne m'a pas fait de confidence, mais j'ai su qu'elle élevait une enfant illégitime, une fille nommée Gisèle. Elle est d'ailleurs mariée aujourd'hui. C'est une curieuse histoire, ça. Madeleine Latroche a peut-être gardé les croûtes de son mari. Fred, pars pour Honfleur aujourd'hui même et achète tout. Tiens, prends ça, attends. Oui, pour convaincre cette vieille paysanne, il faudra lui montrer de l'argent liquide et beaucoup à la fois. Mais il y a au moins 500 billets là-dedans. Ça t'étonne, hein, que je te fasse confiance. Va, je suis prête à risquer beaucoup plus qu'un demi-million pour empoisonner la vie de Corinne. Bon, ben, je vais partir pour Honfleur. Après tout, c'est votre histoire de tableau, ça m'amuse. Je déteste passer le 31 décembre à Paris. Dis donc, mon garçon, dis donc. Tu vieillis, tes cheveux tombent. Tu ne dois plus être loin de la trentaine. 28 ans aux cerises. Et je n'avais que 13 ans, souvenez-vous, lorsque vous m'avez engagé comme apprenti. Enfin, j'espère que tu fais toujours ce que tu veux des femmes. Réussis à convaincre celle-là et rapporte-moi les tableaux. Je te jure que je ne lésinerai pas sur ta commission. Au revoir, Fred. Au revoir. Ah, tante Juliette. Qu'est-ce que c'est ? Vous avez dit que cette vieille latroche est une fille, hein ? Oui. Ben, je vais pas voir d'ennui, moi, avec cette Gisèle. Si elle s'est aperçue de la valeur nouvelle des tableaux, elle va vouloir faire l'affaire. Aucun danger, elle habite Paris. C'est une petite femme popote, mariée à un cheminot. Elle ne connaît sûrement rien à la peinture. T'inquiète pas pour elle. Au revoir, tante Juliette. Ça va comme ça, Gisèle. Claude, mon chéri, je t'en supplie. Parle-moi. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je suis à la rue, j'ai pas de quoi payer ma chambre, alors ton baratin n'y changera rien. Mais mon petit chéri, je te répète que ces 5000 francs, mon mari me les a donnés pour acheter le dîner de ce soir et le souper du réveillon. Mais si je te les laisse, il s'en apercevra tout de suite. Oh. Je te jure que c'est vrai. Tu sais bien que nous ne sommes pas riches. Nous n'avons que sa paye. Oh, regarde-moi. Dis-moi que tu me crois. Oh. Oh, mon chéri, je t'avais donné l'argent pour payer ta chambre. Dis, mon Claude, quand je t'ai donné les 18 000 francs, pourquoi tu ne l'as pas payé, la chambre ? On serait tranquille maintenant. Oui, oh, manger. Tu sais bien que je t'apporterai toujours à manger. On serait tellement heureux. Qu'est-ce que tu en as fait des 18 000 francs ? Qu'est-ce que nous allons devenir, mon petit ? Dis. Qu'est-ce que nous allons devenir ? Ouais, c'est pas sorcier, ouais. Tu sais bien où j'irai ce soir si je n'ai pas d'argent.
À quoi bon me les casser avec tes 18 000 francs? Qu'est-ce que tu crois que j'en ai fait de tes 18 000 francs? Enfin, je trouverai bien un lieu où me loger ce soir. Non, ne continue pas. Tais-toi, mon chéri. Alors... Oh, tu sais pas ce que tu fais. J'ai les pensées du diable. Quand tu dis ça, j'ai les pensées du diable. Écoute, Claude, tiens, voilà 1000 francs. Ne retourne pas à ton hôtel. Prends une chambre à l'hôtel central rue des Morillons. Et attends-moi, j'irai te retrouver. Tu vois bien que t'as du fric. Tu te rends pas compte. Je vais encore être obligée de faire des dettes à cause de ces 1000 francs. Bon, ça va. Ouais. Puisque tu es tout ce que tu peux faire. Claude, pose ce journal, Claude. On a si peu de temps. Parle-moi, mon chéri, je t'en supplie. Oh, ne me laisse pas sur cette sale impression. Je dois retourner chez moi, voir mes enfants, mon mari. Mais quelle figure je vais faire, Claude, mon chéri. Oh, pose ce journal, Claude, je t'en conjure, pose ce journal. Eh, dis donc, elle s'appelle bien Latroche, ta mère? Oui. Elle a bien été mariée à un peintre qui est mort pendant la guerre de 14? Oui. Ah, oh, dis donc, c'est d'elle qui cause dans ce canard. Quoi? Oui, ils font un baratin terrible à son sujet. Ils expliquent qu'elle a posé pour une peinture et qu'ils ont collé cette peinture sur la scène au théâtre. Là. Pauvre petite crevette, ça s'appelle. Allô? Allô? Est-ce que vous pouvez faire une commission à Monsieur Juan, s'il vous plaît? C'est de la part de sa femme. Oui, je sais bien, monsieur, mais c'est très urgent. Vous pouvez lui faire la commission? Merci. Alors, dites-lui que Madame Juan a reçu une dépêche de Normandie, que la mère de Madame Juan est très malade, qu'elle va mourir. Oui. Alors, Madame Juan est partie pour Honfleur. Vous direz à Monsieur Juan qu'il pense à aller prendre les enfants à l'école. Oui, sa mère va mourir. Oui, sa mère qui habite Honfleur, en Normandie. Oui, c'est ça, merci. Pourvu que cette crapule de Maurice ne soit pas au courant. Salut, Maurice. J'avais comme une idée que tu passerais aujourd'hui. Mais c'est bien normal, mon vieux. Je venais te demander si tu as des projets pour le réveillon. Hein? Oui, moi, je sors ma nouvelle découverte, une petite starlette. Mais tu sais parfaitement que je donne toujours congé pour le réveillon à mes employés et que c'est moi qui assure la garde du garage avec le vieux Léon. Ah bah, j'espérais que tu aurais changé d'avis. Tant pis, je regrette. À propos de réveillon, j'ai un petit service à te demander. Oui, je me suis laissé démunir en argent liquide et les banques sont fermées. Peux-tu m'avancer quelques billets de 10 000 jusqu'à mercredi? Enfin, maintenant que j'ai réglé mes vieilles dettes, mon crédit doit être excellent chez toi. Tu ne dis rien? Ça ne va pas, mon vieux René? Parce que tu te figurais que j'allais marcher. Non seulement tu payes tes dettes avec un chèque sans provision, mais tu viens me taper. Non, je comprends pas. Non, mais dire que tu te crois mariole, mon pauvre Maurice. Mais t'es un enfant de cœur. Où veux-tu en venir? Je vais t'expliquer où je veux en venir. Je vais même me faire un plaisir de te l'expliquer. Il y a 6 mois, je t'avais confié une Simca à vendre. Eh ben oui, alors je l'ai vendue, de quoi plains-tu? Oui, tu l'as peut-être vendue, mais je n'ai jamais vu l'argent. Il a fallu que je te menace de poursuites judiciaires. Oh, décidément, je ne regrette plus que tu ne sois pas libre ce soir. Ta conversation est d'un ennuyeux. Ah, mais puisque tu as mon chèque, pourquoi revenir sur cette vieille histoire? Oui, ben justement, tiens, parlons-en de ton chèque. Tu me l'as donné samedi. Je ne pouvais pas le déposer puisque les banques sont fermées. Dimanche, je ne pouvais pas le déposer non plus, bien entendu. Ni aujourd'hui, lundi, veille de fête, puisque les banques font le pont. Ni demain, puisque c'est le 1er janvier. Si bien que tu te croyais tranquille, hein? Tu espères dénicher de l'argent mercredi et courir à la banque. De quoi s'agit-il? Un cours de morale? Et où le trouveras-tu, l'argent, pauvre crétin? Tu as gagné 4 jours, et puis après, il ne reste plus un sou de la fortune des Latroche. Votre hôtel particulier est hypothéqué de la cave au grenier. C'est une meute qui va te tomber dessus, Maurice, lorsqu'on saura que j'ai porté plainte. Car j'ai porté plainte. Ouais? Profite de ton réveillon, mon bonhomme. Mercredi, tu coucheras au dépôt. Abus de confiance et chèque sans provision. Salaud. Je suis pas dupe, tu sais, René. Ce n'est pas à cause de l'argent que tu me démolis. Ça, tu t'en fous. Non, tu t'en fous. Tu n'en es pas à 1 million près.
C'est à cause de Colette que tu me hais. Ouais, oui, c'est à cause de Colette. Que ma femme me trompe avec toi, c'était difficile à digérer, mais enfin, je ne suis plus un gamin, ça j'en ai vu d'autres. Seulement que tu la plaques comme la dernière des grognasses, que tu la rendes malheureuse et qu'elle en meurt à moitié, bah ça, figure-toi que j'ai pas pu l'avaler. Tu me crois fini, hein? Ouais. Idée. Ouais, bah tu te trompes lourdement. La semaine prochaine, j'aurai de l'argent plein les poches et tu en crèveras de rage. Oh, ne me fais pas rigoler. T'attends peut-être un héritage? Mais tu crois pas si bien dire. Tiens. J'ai raté beaucoup de choses dans ma vie, mais je vois venir un héritage et ce coup-là, je ne le raterai pas. Oh, t'as trouvé une nouvelle victime à saigner? Figure-toi que je devine un peu ce que tu as l'intention de faire. Méfie-toi, hein. Il y a des gens qui se défendent. À ce petit jeu-là, il pourrait t'arriver plus grave que la prison. Ne t'inquiète pas pour moi, je sais être prudent quand il faut. Écoute, vieux, j'ai un dernier service à te demander. Tu vas pas me refuser ça? Ah, ça, alors là, je t'admire, Maurice. Là, t'as vraiment tous les culots. Peux-tu me faire le plein de la bagnole? Oui, je n'ai pas le sou, il faut que je file d'urgence à Honfleur. Chercher ton fameux héritage? Oui, c'est ça. Hmm. Chercher mon héritage. Dépêche-toi, Taline! Je ne veux pas arriver en retard à Notre-Dame de Grâce. Pourquoi? C'est drôle. Tu n'y connais rien, petit imbécile. Toute la Normandie se dérange pour voir ça tous les ans, le 31 décembre. On monte la Côte de Grâce avec des flambeaux. Il y a plein de voitures devant la chapelle. Et approche, Taline, que je te donne de l'argent pour la quête. Je ne veux pas qu'on dise dans Honfleur que ma bonne n'a pas 50 francs dans sa poche. Oh, vous savez, Madame Latroche, ça me ferait rudement plaisir qu'on sorte comme ça plus souvent. Pourquoi? Ça te plaît tant que ça, Honfleur? Oh non, ça vaut pas Paris. Mais j'aime bien quand vous êtes élégante comme ce soir. Quand vous portez des bijoux et un chapeau. Par exemple, vous pouvez pas savoir ce que ça me fait quand vous mettez cette écharpe de fourrure. On dit une étole. C'est vrai qu'elle est encore très bien. J'ai dû en couper un peu. Mais lorsqu'elle était neuve, elle me tombait jusqu'aux genoux. Monsieur Latroche l'avait fait faire spécialement pour moi. Il avait choisi chaque peau lui-même. Vous la portiez le jour de votre mariage? Et les plumes aussi? Oh, je sais, j'ai vu la photo dans votre chambre. Oh, je vais souvent la regarder. Oh, vous étiez rudement bien. Madame Latroche, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas restée à Paris? Pourquoi est-ce que vous êtes venue ici vous enterrer, à la ferme? Ah, me regarde. Maintenant, si tu trouves que tu es enterrée ici... Personne ne te retient. Oh, mais moi, c'est pas la même chose. J'ai jamais été belle, j'ai jamais été célèbre. Bien sûr, ce n'est pas la même chose. Toi, tu n'as jamais été mariée à un homme qui avait 45 ans de plus que toi. Mais quelle importance ça peut avoir, l'âge des gens? Il suffit de les aimer, c'est tout. Moi, personne ne m'avait jamais aimée. Et vous? Vous m'avez tirée de la maison de correction. Oh, je ne suis pas enterrée, je suis ressuscitée. Et puis, de toute façon, je vous quitterai jamais. Quand j'aurai 21 ans, je serai libre. Eh bien, vous verrez. Je resterai près de vous. Un beau cadeau que tu me fais là. Ah, viens. Il y a tout de même un bout de côte à monter. Et il faut arriver les premières si nous voulons être bien placés. Bonjour, Mme Jeannet, bonne année. Bonjour. Oh, quel froid, hein, sur cette falaise. Le brouillard vient de la mer. Bonne année, oh oui, je fais froid. Oh, c'est une vraie chance que le serment ait été court. Nous aurions tous été gelés. Oh, ben, ça fait rien. C'est une belle cérémonie. Ah, surtout, tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir des fourrures. Hein. Vous avez vu la sorcière, là, son étole? Taisez-vous, et ses plumes d'autruche? Mais elle a dû dévaliser un décrochez-moi ça. Mais non, c'était des frocs qu'elle portait pour son mariage avec le vieux Latroche en 14. Ah! Bonjour, Mme Saluste, bonne année. Bonne année, Mme Saluste. Dites donc, vous avez vu le culot de cette petite traînée qui ne quitte pas la sorcière? Mais c'est qu'elle vous ferait baisser les yeux, la façon dont elle vous regarde. Celle-là? C'est une fille qui sort de prison, qui nous égorgera tous dans nos lignes de ces nuits. Ah. Tenez, votre mari qui est de la police devrait bien la faire enfermer, cette créature qui loge chez la sorcière.
Il n'est pas venu avec vous, monsieur Jeannet? Oh, ben vous savez, un commissaire de police est très occupé. Il a guère le temps d'aller à l'église. Vous parlez de cette grande fille blonde qui est domestique chez madame Latroche? Oui. Mais elle porte un nom bizarre. Comment est-ce donc déjà? Un nom païen, oui. Taline. Oh, je vous demande un peu. Oh, taisez-vous, la voilà. Madame Latroche, excusez-moi, il faut que je vous parle. Je ne vous connais pas. Là, j'ai une lettre pour vous, une lettre de madame Ferrial, l'antiquaire. Je sais que le moment est plutôt mal choisi, mais il s'agit d'affaires, n'est-ce pas? Alors, je suis arrivé de Paris ce soir spécialement pour vous voir, madame Latroche. De Paris? Oui. Pour affaires? Oui, oui. La nuit du 31 décembre? Écoutez, madame Latroche, voulez-vous venir jusqu'à mon hôtel qui est à deux pas? Mais je suis descendu chez Charles. Nous pourrions boire quelque chose de chaud et je vous expliquerai. Mais Taline, on ne me tire pas le bras de cette façon. Montrez-moi cette lettre, vous. De quoi s'agit-il? Des tableaux de votre mari. Des tableaux de monsieur Latroche? Oui. Je vous verrai demain matin, monsieur Grimm. Non, madame Latroche, je veux avoir une option. Non, je ne comprends pas un mot de ce que vous voulez dire. Tenez, voici 100 000 francs d'acompte sur mon option, oui. Madame Latroche. Vous voyez, je vous fais confiance. Il y a bien 100 000 francs. À demain, monsieur Grimm. Viens, Taline. Alors, monsieur Grimm, ça va toujours? Ça va. Ah, dites-moi, je vous ai gardé une place pour le réveillon, à cette table-là, auprès du comptoir. Très bien. Oui, avec un pilote du port et un capitaine au long cours. Une vraie table de garçon. Eh bien, dis donc, il y a du monde chez vous cette nuit. Hein? Je m'attendais vraiment pas à ça, hein? Un trou comme on fleur. Mais... dis donc, d'où ils sortent tous ces gens-là? Mais de toute la Normandie, monsieur Grimm, du Havre, de Rouen, de Pont-l'Évêque. Mais on vient de partout pour réveillonner chez nous. Ça vous épate, hein? Monsieur Fred, il y a une jeune fille qui vous demande. Oh, par exemple. Monsieur Grimm, j'ai à vous parler. Madame Latroche est revenue? Non, monsieur Grimm. C'est moi qui ai deux mots à vous dire. Oh, ben, il n'y a pas de quoi rigoler, monsieur Grimm. Si vous me prenez pour une cloche, vous vous gourrez. Je suis pas une cloche. Et la patronne non plus, d'ailleurs. Alors, vous êtes revenue toute seule, une belle fille comme vous, sur la route déserte? Hein? Quel âge pouvez-vous avoir, Taline? 17, 18? Taline, c'est un joli nom. Ça vous va très bien? Vous pouvez couper le baratin, ça prend pas. Mais où avez-vous pêché cet accent parisien, Taline? À Ménilmontant, je suis née, figurez-vous. Monsieur Grimm, je sais pourquoi vous êtes venu à Honfleur. Tiens. Ça vous embête, hein? Non, enfin, je l'ai dit tout à l'heure. Je suis venu... pour ces vieilles croûtes invendables. Bon, vous me faites pas rigoler. C'est la fille de la patronne qui vous envoie. Et puis quel peu de fric que sa mère a mis de côté, voilà tout. Si vous croyez que j'ai pas vu tout de suite que vous étiez un des chéris de cette chatte maigre de Gisèle. Enfin, Taline, c'est fantastique. Si je voulais piquer du fric à madame Latroche, comme vous dites, ben, je l'aurais pas remis 100 000 francs tout à l'heure. Oh, cette bêtise, c'est un truc connu. Tous les truands font la même chose. On verse d'abord de l'argent aux caves pour les mettre en confiance. Et on le reprend après, quand ils sont mûrs pour être plumés. Eh ben, vous en savez drôlement long, vous, pour une gosse de votre âge. Hein? Vous occupez pas. Maintenant, vous êtes prévenus. On n'entre pas comme on veut chez madame Latroche. Il y a un chien méchant. Chien méchant, vous, là? C'est de vous que vous parlez? Vous ne devez pas être très méchante avec ces yeux-là. Au revoir, monsieur Grimm. Et bonne année! Bonne année, Taline. À demain matin. Tu as soigné les lapins, Taline? Je vais y aller, madame Latroche. Je vais y aller, tu vas y aller. Dépêche-toi un peu, voyons, il est midi. Ce n'est pas parce que c'est le 1er janvier qu'il faut te monter la tête. Tu ne vis pas de rente. Il faut trimer, ma petite, trimer sans arrêt. Qu'est-ce que vous dites, monsieur de Latroche? Mais vous ne m'écoutez pas, comment voulez-vous? Mais si, je vous écoute, Maurice. Je ne fais même que ça, je suis fatiguée de vous écouter. Vous comprenez, Madeleine, je suis très lié avec Corinne Blin, la décoratrice qui a lancé Pauvre Petite Crevette.
Alors c'est un jeu d'enfant pour moi que de traiter avec elle. Vous me signez une sorte de procuration qui vous déchargera de tout souci, nous emballons l'étoile dans une camionnette et je file pour Paris. Au fait, où sont-elles, ces toiles? Il faudrait quand même que je les voie. Elles sont bien où elles sont, Maurice. Et d'ailleurs, je ne vous ai jamais dit que je voulais les vendre. Voyons, madame, ne plaisantez pas. Cette affaire est très sérieuse. Vous devriez vous en rendre compte. Ma famille a bien voulu ignorer vos intrigues auprès de mon malheureux grand-père. Si nous n'avons pas attaqué son testament, c'était uniquement par bonté, parce que nous avions pitié de vous. Alors, je trouve qu'à votre tour, vous devriez vous montrer raisonnable. Fort, si vous n'avez pas attaqué le testament, c'est peut-être parce qu'au moment de la mort du vieux, les tableaux valaient pas un clou. Oh, vous, ma petite, c'était l'antenne, hein. Personne ne vous demande votre avis. Alors, Madeleine, réfléchissez. Pensez à tout ce que vous pourrez faire avec cet argent. Tiens, vous recevez des visites, maintenant. Bonjour, madame Latroche. Bonjour, ma petite Taline. Bonne année. Bonjour, monsieur Grimm, asseyez-vous. Voici Maurice Latroche, le petit-fils de mon défunt mari. Monsieur. Il désire m'aider à vendre toutes les peintures de monsieur Latroche que j'ai encore au grenier. Non. Alors, Taline, on me serre la main aujourd'hui? Oh, tout le monde peut avoir des gestes maladroits. Et vous vous connaissez peut-être, tous les deux, Maurice et vous. Ma foi, non, je n'ai pas cet honneur. J'insiste, madame de Latroche, je voudrais vous parler en particulier. Cette affaire est urgente et il est déjà midi. Ah si, monsieur Grimm, Juliette Ferrial a gardé son magasin de Paris. Pourtant, je lui ai souvent entendu dire qu'elle voulait sortir à la campagne. Eh oui, Juliette trône toujours dans sa boutique. Non mais Ferrial, l'antiquaire? Oui. Dites donc, vous, si ce sont les Ferrial qui vous envoient pour acheter les tableaux de mon grand-père, vous perdez votre temps. Oui, les tableaux sont vendus, madame de Latroche et moi faisons affaire. Alors vous n'avez plus qu'à déguerpir. Ah, écoutez, si je dois déguerpir, comme vous dites si bien, il me semble que c'est à madame Latroche de me le dire. Mais je ne vois pas du tout pourquoi madame de Latroche vous paierait une commission. Ni pourquoi elle partagerait son bénéfice avec un antiquaire. Heureusement que je suis là pour protéger ses intérêts. Oh, je sens que je vais pleurer d'attendrissement. Ses intérêts et les vôtres, non? De toute façon, les tableaux iront chez un antiquaire si vous êtes en cheville avec Corinne Blin, comme c'est probable. Vous toucherez votre commission comme je toucherai la mienne. À la réflexion, il y aura peut-être un autre intermédiaire qui se sucrera au passage. Oui, car ça m'étonnerait que Corinne emploie un individu tel que vous. Je vous prierai d'être poli. Mais calmez-vous, mon vieux, hein. Nous ne sommes pas dans la même catégorie, ça m'ennuierait de vous envoyer à l'hôpital. Ah, mon petit Maurice, je ne veux pas qu'on se batte chez moi. Comme monsieur Grimm, enfin. Oh, mais dites donc. Dites donc, j'y pense, Grimm. Est-ce que vous n'êtes pas ce Fred Grimm qui avait fabriqué un faux Modigliani et qu'il avait vendu 2 millions à l'Américain? Ça ne s'est pas passé comme ça. Il s'agissait d'une farce qui a mal tourné. J'ai remboursé. Oui, que vous dites? Et Juliette Ferrial vous a renvoyé. Et vous avez été mis sur la liste noire de tous les antiquaires et marchands de tableaux de Paris. Madame de Latroche, ce type est un escroc. Il ne représente personne. Et je vais le planter dehors. Eh ben, c'est un peu con. Dehors. Oh, mais je vous en prie, je rentre de cacher moi. Tu vas me donner ça? Je t'avais bien dit que nous n'étions pas dans la même catégorie. Tiens, reprends ce revolver. Mais tu sais, t'as tort de porter une arme. Ça n'est jamais recommandé aux impulsifs. Allons, pleurez pas, monsieur Maurice. Vous le retrouverez, votre œil. Et vous, ma petite, vous avez tout intérêt à la boucler et à vous tenir tranquille. Je suis ici pour défendre les intérêts de ma famille. Depuis quand comptez-vous ma mère dans votre famille? Gisèle! Qu'est-ce que tu fais ici? Bonjour, maman. Bonjour, Taline. Alors, Maurice de Latroche. Comment se fait-il que vous comptiez tout à coup ma mère dans votre famille, alors que vous avez toujours craché dessus? Et ce type-là, qui est-ce? Je suis venu à Honfleur pour acheter les tableaux de Latroche, et apparemment, Maurice de Latroche a eu la même idée. Oh, mais c'est très intéressant, tout ça. Et combien en donnez-vous de ces tableaux? Qu'est-ce que ça peut vous faire? C'est à madame de Latroche que nous avons affaire, pas à vous. Oh, mais ne vous emballez pas, monsieur. Ne vous énervez pas. Si vous voulez acheter quelque chose dans cette ferme, il faudra passer par moi. Ici, tout m'appartient, monsieur de Latroche. Absolument tout. Oh, bah ça, alors, elle a un sacré culot. Je ne comprends pas, comment. C'est pourtant bien simple. Mon mari et moi, nous avons tout acheté à ma mère en viager. La ferme, l'herbage, les meubles, tout. Tout est à moi. Alors, combien en donnez-vous de ces fameux tableaux? Oh, un viager. Tu ne le pèses jamais à ta mère, ton viager. Vous n'aurez pas bientôt fini de vous disputer. Pour disposer de mes affaires, il faudrait que je sois morte. Vous semblez l'oublier. Tous autant que vous êtes. Faudra me mettre au cimetière. Et j'y suis pas encore. Tu voudrais bien m'y voir au cimetière, n'est-ce pas, ma Gisèle? Et Maurice voudrait bien m'y envoyer aussi. Lui qui vient me rendre visite avec un revolver dans sa poche. Et Taline qui passe son temps me guetter avec ses yeux trop grands, ses yeux avides. Et ce Parisien avec ses promesses d'argent. Tous, tous, vous voudriez me faire disparaître. Si vous croyez que je ne le comprends pas. Mais vous vous trompez si vous pensez réussir. Je tiens encore sur mes deux jambes et je vendrai mes tableaux à qui je voudrais, quand je voudrais, pas avant.
Ben, c'est bien simple, Madame Latroche. Je vous offre 500 000 francs d'acompte sur la vente globale de cette toile. Un demi-million ? On dit ça. On le dit. Et on le prouve. Voyez, Madame Latroche, je les ai là, dans ma poche, et je les garde pour vous. Vous pouvez venir les chercher à mon hôtel quand vous voudrez. Je ne demande même pas d'examiner l'étoile tout de suite. Je vous laisse réfléchir. Sur ce, messieurs, dames, au revoir. Un demi-million ? Tous ces billets dans la poche de son blouson. Un demi-million en chemise de soie et en chambre d'hôtel. Ça te donne le vertige ? Pas, Gisèle ? Pour vous, monsieur Fred. Ah bon ? Oui, quelqu'un qui a une drôle d'extinction de voix. Allô ? Allô ? Allô ? Ça ne va pas ? Bah, on ne se presse pas de me répondre. Hein. Allô ? Allô ? Monsieur Grimm ? Oui, c'est moi. Qui parle ? Madame Latroche, je voudrais vous voir. Vous voir seule. Qui est à l'appareil ? Il ne faut pas que vous alliez à la ferme. Madame Latroche vous attend sur le port. Où ça ? Mais je vous entends mal. Mais pourquoi ? Ils ont raccroché. Ça, alors ? Et où se trouve le quai Paulmier ? C'est loin ? Non, non, c'est tout près. Seulement dans ce brouillard, vous aurez du mal à trouver. Et puis, c'est pas très éclairé. Jusqu'à la gare et puis on se tire. Ouais. Ton coup de téléphone, ça doit être une farce. Les ivrognes aiment bien faire des farces à la police. Bon, je crois pas. La femme soufflait comme si elle pleurait ou comme si elle avait couru. Ou comme si elle se marrait. Non, elle m'a dit, j'entends des cris au secours. Les cris venaient du quai dans la direction du bassin du centre. Justement, on voit rien. Tiens, regarde ce kleps. Il a dû lever un rat. Attends, je me demande. Je vais voir. Hé, hey, ça y est, je l'ai trouvé, c'est un type. Il a l'armure, viens! Oh. Aide-moi à le retourner! Attends! Mais il n'est pas mort! Téléphone au commissaire et préviendra le docteur! Allez, grouille-toi! Il faut une voiture pour le transporter immédiatement! Alors, mon garçon, ça va mieux ? Qu'est-ce que vous en pensez, docteur ? Eh bien, monsieur le commissaire, je pense qu'il a reçu un rude coup sur la nuque, porté par un gourdin, probablement. Oh, il va s'en tirer avec une bosse magnifique et une fameuse migraine. Tenez, le voilà qui ouvre les yeux. Vous avez le crâne solide, jeune homme. Venez tout de même me voir à l'hôpital demain, j'aimerais m'assurer que rien n'est fêlé. Bonsoir, commissaire. Bonsoir, docteur. Pardon. Et merci. Alors, monsieur Grimm, nous allons vous reconduire à votre hôtel. Vous sentez-vous la force de répondre à quelques questions ? Oh, aussi peu de questions que possible, s'il vous plaît. D'ailleurs, j'ai aucune idée de ce qui m'est arrivé. Nous vous avons trouvé sans connaissance au bord du bassin, qu'est pour le mien. Vous ne vous souvenez de rien ? Je suis sorti faire un tour, respirer un peu, J'ai reçu un sacré coup sur le crâne. J'ai eu 36 chandelles. Et... Oui. Et qu'est-ce qui nous vaut votre présence à Honfleur, monsieur Grimm ? Je suis acheteur chez un antiquaire de la rue Visconti. Je sais que la région est périodiquement écumée par mes collègues, mais il y a toujours quelques cuivres à glaner. Avez-vous une idée des raisons pour lesquelles on vous a attaqué ? Oh,
Non, je sais pas vraiment. Nous avons trouvé votre portefeuille dans votre poche. Ah. Laurent, tenez. Mais... Et quoi? Oh. Il vous manque quelque chose? Et j'avais 400 000 francs sur moi, monsieur le commissaire. On me les a volés. Alors, pas trop mal dormi, monsieur Fred? Bon, ça va. Ben moi, à votre place, j'aurais fait la grasse matinée. 8 heures du matin, vous savez. Ça c'est. Et je trouve aussi que vous avez eu tort d'enlever votre pansement. Enfin, avec de l'aspirine, beaucoup de café et un calva maison, on va réparer les dégâts. Merci, Charles, vous êtes un ami. Tiens, je crois que c'est moi que cette dame cherche. Bonsoir, madame Owen. Bonsoir. Ben, asseyez-vous. Merci. Voulez-vous un peu de café? Non, merci. Monsieur Grimm, je voudrais vous parler. Oui? Il faut d'abord que j'aille à la poste donner un coup de fil. Est-ce que vous serez encore là dans une demi-heure? Je m'excuse, mais... Mais pourquoi ne pas téléphoner d'ici? Charles va vous servir un café, puis il va vous demander votre numéro. Oui, voyez. Mais oui, bien sûr. C'est pour Paris, madame. Oui, 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 Vaugirard 12-12. Merci, monsieur. Bien. Eh bien, vous voyez. Monsieur Grimm, oui. Pour ces tableaux, ils n'appartiennent pas seulement à ma mère. Ils sont aussi ma propriété et celle de mes enfants. Enfin, vous devez le comprendre. Eh oui, mais à cause de ce viager. Oui. Eh bien, j'ai une proposition à vous faire. Je ne sais pas si vous comprenez bien ma mère. Je ne veux pas en dire du mal. C'est ma mère, après tout. Même si elle ne s'est pas beaucoup occupée de moi. Mais elle est très capricieuse. Et alors? Eh bien, si c'est moi qui vous donne l'option, monsieur Grimm, je peux vous garantir l'exclusivité des tableaux du vieux. Tout ce que je vous demande, c'est de me verser tout de suite 100 000 francs. Vous avez votre numéro, madame? Eh bien, écoutez, allez donner votre coup de téléphone, madame Owen. Pendant ce temps-là, je réfléchirai. Oui. Allô? Allô, Vaugirard 12-12? Hôtel Central? Je suis bien à l'hôtel Central. Oui, passez-moi monsieur Claude Bièvre. Comment? Il vient de sortir. Eh bien, je vais vous laisser une commission. Je comprends pas. Voulez-vous répéter? Oui, on entend très mal. Quoi? Il a emporté tous ses bagages? Il a payé tout ce qu'il devait? Oui, une dame était avec lui. Il n'a pas laissé d'adresse? Non. Oui. Il a dit que si on appelait, il n'y avait pas de commission. Oui. Madame Owen, vous pleurez? Non, laissez-moi. Oh, voyons, vous ne pouvez pas sortir dans cet état. Vous avez reçu un choc. Allez, asseyez-vous. Vous allez boire un alcool. Non, c'est inutile. Mais nous devons parler des tableaux, vous savez bien. L'option. Non, c'est fini. Tout était inutile. Et je ne le savais pas. Vous m'avez demandé, monsieur le commissaire? Oui. Vous n'avez pas été franc avec moi, monsieur Grimm. Ah, vraiment, commissaire? Je ne vois pas. Nous sommes en province, cher monsieur. Honfleur est une petite ville. Ainsi, tenez. Par exemple, ma femme m'a raconté que vous aviez abordé madame Latroche à la sortie de Notre-Dame-de-Grâce dans la nuit du 31 au 1er. Ah ben, je ne vois toujours pas, non. Hier soir, vous êtes rentré à votre hôtel avec la figure couverte de meurtrissures. De son côté, Maurice Latroche revenait au bras d'or, le visage marqué comme s'il avait disputé un match de boxe. Trois personnes m'avaient signalé cette coïncidence avant que j'aie terminé mon café. Quand avez-vous vu monsieur de Latroche pour la dernière fois? Mon Dieu, hier à midi chez madame Latroche. Vous saviez qu'il était venu me signaler votre présence à Honfleur en vous accusant de vouloir escroquer madame Latroche? Comme? Non. Il m'a raconté une histoire assez confuse de Modigliani. Oh, le salaud. Monsieur Grimm, vous m'êtes très sympathique. Ouais. Je ne veux pas jouer au chat et à la souris avec vous. Nous avons retrouvé Maurice de Latroche. Vous l'aviez perdu? Nous avons retrouvé son cadavre. C'est pourquoi je vous offre l'occasion de modifier vos déclarations. Il a eu un accident? Voyons, monsieur Grimm, je vous prends pour un garçon intelligent. Je vais mettre toutes mes cartes sur la table.
Si je vous dis ce que nous avons contre vous, je suis persuadé que cela vous amènera à tout m'avouer amicalement. Mais j'ai absolument rien à vous avouer, commissaire. J'ai été victime cette nuit d'une agression et d'un vol. Ça ne fait pas de moi un criminel, même en Normandie, je suppose. Maurice Delatroche a été frappé au moyen de ce que les médecins légistes appellent un instrument contondant. Il a reçu plusieurs coups, il a été achevé sauvagement. Nous y verrons plus clair après l'autopsie, mais je n'ai pas besoin du rapport d'un médecin pour savoir qu'il est mort au cours de la nuit. Monsieur Grimm, je n'ai pas fait surveiller votre hôtel durant la nuit. Vous n'avez aucun alibi. Mais ne vous faites pas de reproches, commissaire. Lorsque je vous ai quitté hier soir, je n'étais que la victime d'un autre instrument contondant. Sans doute. Mais tout me porte à croire que quelques heures plus tard, vous étiez devenu un assassin. Oh, puis j'en ai marre, moi. Rien ne m'oblige à croire tout ça. Assieds-toi, Grimm, ou je te fais passer les menottes. Oh, pas incroyable ce qu'il faut entendre. Merci. Je reviens à ce que je disais. Vous n'avez pas d'alibi. Vous êtes un violent, un impulsif. Vous aviez trois motifs au moins pour tuer Latroche. D'abord, en dévoilant un épisode de votre passé, il risquait de vous faire manquer une affaire. Ensuite, vous le soupçonniez de vous avoir attaqué. Enfin, il vous avait volé 400 000 francs. Vous les avez retrouvés ? Non, non, Grimm, non, nous ne les avons pas encore retrouvés, mais cela n'est pas nécessaire. L'agression dont vous avez été victime a eu un témoin, une femme, a appelé le commissariat pour avertir la police qu'elle avait entendu appeler au secours. C'est ce qui a déclenché les recherches qui ont permis de vous retrouver. Alors ? Alors, mes hommes font le tour des cabines téléphoniques et des bistrots. Lorsque nous saurons qui a téléphoné, nous saurons qui était cette femme. Elle a dû être témoin, peut-être complice de l'attentat. Si c'est Latroche qui vous a frappé... Vous m'arrêtez ? Vous êtes bien pressé, Grimm. Non. Non, je ne vous arrête pas. Je vous conseille de réfléchir. Et je vous conseille aussi de ne pas quitter Honfleur. Ce ne serait pas raisonnable, pas raisonnable du tout. Oui, puis l'air de la mer, c'est bon. Et puis l'air de la mer, c'est bon. Au revoir, Grimm. À tout à l'heure. Taline. Ah, c'est vous, Fred. Qui croyez-vous que c'était ? Maurice ? Pourquoi Maurice ? Taline, je viens de voir le commissaire. Ces hommes cherchent une femme qui a donné un coup de téléphone. Ah, vous avez tort de causer avec les poulets, Fred. Ils disent que des mensonges. Mais non, ça doit pas être drôle tous les jours, la campagne, pour une fille comme vous, Taline. Vous n'allez pas faire comme Maurice, m'offrir de m'emmener à Paris et de me présenter à un metteur en scène. J'ai d'autres défauts, Taline, mais je ne suis pas un imbécile. Je sais que vous êtes très attachée à Mme Latroche. Ah, sans Mme Latroche, je serai en tôle. En éducation surveillée, si vous préférez. Ah, vous étiez au courant ? Oui, mon hôtelier me l'a dit. Ah, Madame Latroche m'a fait venir. Elle a consenti à être responsable de moi jusqu'à ma majorité. Ah, elle me fait trimer, mais pas plus qu'elle. Ah, nous partageons toutes les corvées. Elle se méfie jamais de moi. C'est moi qui vais vendre les lapins. Et c'est moi qui rapporte l'argent. Oui, moi aussi, lorsque j'avais 14 ans, j'ai été recueilli par une extraordinaire bonne femme. Oui, cette Juliette que connaît votre patronne. J'étais un gosse de l'assistance. Oh, Madame Latroche me traite mieux qu'elle ne traite sa fille. Hein. Et elle me raconte beaucoup de choses. Oh, elle a eu une vie très intéressante. Elle a été riche, vous savez. Oh, plus riche que toutes ces toupies du pays qui se moquent d'elle. Je sais. Et puis, je trouve qu'elle est très belle. Je vous aime bien, ma petite Taline. La vie est mal faite. Oh, moi aussi, au fond, je vous aime bien. C'est drôle, j'ai jamais parlé comme ça à personne. Madame Latroche croit que je reste avec elle pour son argent. Pour ses 4 sous. Oh, elle comprend rien. Je m'en fiche bien de son argent. Ma petite Taline, je voudrais vous dire... Oh, c'est pas la peine. Je suis contente que vous soyez venu ce matin, Monsieur Grimm. Ainsi, vous pourrez prendre le train de Paris ce soir pour porter ma réponse à Juliette. Qu'avez-vous décidé, Madame Latroche ? Mon mari est un très grand peintre. Vous êtes trop jeune, Monsieur Grimm, pour avoir vu le vernissage d'un salon d'avant-guerre. D'avant la guerre de 14, naturellement. Oui, évidemment. Toutes les femmes élégantes qu'on y voyait, tous ces hommes en chapeau haute forme, on se bousculait devant les tableaux de Monsieur Latroche. Ces toiles étaient vendues dès le premier jour du salon. Oui, évidemment. Mais combien de toiles de votre mari avez-vous gardées ? Taline. Ouais. Ne reste pas là plantée à me fixer avec des hurons. Il y a du travail à faire.
Je ne te nourris pas à te croiser les bras. Je ne veux pas que tu me regardes ainsi. On ne comprendrait jamais rien. Quand mon mari est mort, monsieur Grimm, tout le monde s'est ligué contre moi. Personne ne voulait plus acheter ses œuvres. Pourtant, elles valaient une fortune. Une fortune. Oh, madame Latroche, regardez, voilà les flics. Madame Latroche, je me vois obligée de procéder à une perquisition dans vos bâtiments. À votre aise, monsieur perquisitionné. Puis-je savoir pourquoi ? Le corps de votre parent, Maurice de Latroche, a été retrouvé à 300 mètres d'ici dans un champ. Vous n'avez rien à déclarer à ce sujet ? Rien. Et vous, Taline ? Jamais rien à déclarer à un flic. Où est votre fille, Gisèle Roanne, madame Latroche ? Je n'en sais rien. Elle doit être à pleurnicher dans un coin. Elle a des chagrins d'amour. Bon. Allons-y. Durand, vous restez ici. Je vais vous envoyer madame Roanne. Personne ne doit sortir de la salle pendant la perquisition. Madame Latroche, voulez-vous me remettre la clé de votre grenier, si toutefois il est fermé ? Nous commencerons par là. Qu'est-ce que vous allez chercher dans le grenier ? Personne n'y va depuis des années, la clé est perdue. Nous forcerons la porte, voilà tout. Bien, madame Roanne. Où étiez-vous ? Au grenier. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous nous voulez ? À quelle heure avez-vous vu Maurice de Latroche pour la dernière fois ? Hier après-midi devant la maison. Il parlait avec Taline. Il voulait l'emmener à Paris pour lui faire faire du cinéma. Vous comprenez ce que ça veut dire ? Merci. Toujours gentille, Gisèle. Que cherchiez-vous au grenier, madame Roanne ? Vos mains sont pleines de poussière. Oh, peu importe maintenant. Ma mère a ruiné ma vie. Que veut-elle dire ? Des bêtises ! Elle me reproche toujours de l'avoir poussée à se marier trop jeune. Je n'ai pas de rente. Je ne pouvais pas entretenir indéfiniment cette petite sotte. Est-ce que vous êtes sortie la nuit dernière, madame Roanne ? Sortie ? Pourquoi serais-je sortie ? À votre aise. Ne répondez pas à mes questions. Nous y verrons plus clair après la perquisition. À tout à l'heure. Taline, si vous me faisiez du café, hein, nous avons tous besoin. Moi, je me demande quand ce commissaire va revenir. Taline, je vous parle. Qu'est-ce que vous voyez par cette fenêtre ? Oh, c'est marrant. Il y a un flic qui fouille les cages à lapins. Qu'est-ce qu'il cherche ? L'argent qu'on m'a volé et l'arme avec laquelle on a tué Maurice. Mais, Taline, regardez-moi. Vous pleurez ? Moi, pleurer ? Oh, vous voulez rire ? Bah alors, ne cachez pas votre figure, mais... Écoutez, Taline, écoutez. Venez. J'ai réfléchi. Depuis 3 ans, je fais l'imbécile, je bricole, je mène une vie stupide, sans but. Voilà, je vais me réconcilier avec Juliette Ferrial, je vais travailler de nouveau avec elle. Quand tout sera arrangé, je reviendrai vous chercher. Vous serez plus toute seule, Taline. Oh, vous êtes un enfant, Fred. Faut que je m'occupe de Mme Latroche. Elle se croit très forte et très maligne. Vous entendez ? Ah, oh, voilà le commissaire et ses poulets qui reviennent. Adieu, mon petit Fred. Je comprends pas. Taline, nous avons trouvé 400 000 francs sous votre matelas. Comment ça ? Avez-vous une explication à me donner ? Oui, monsieur le commissaire. Une explication que même un flic peut comprendre. C'est moi qui ai mis l'argent sous mon matelas. Alors, Taline ! Tu as volé cet argent, monsieur Grimm. Et ensuite, tu as tué ton complice, Maurice de Latroche. C'est ça qui s'est passé, hein ? Ah, doucement, hein ? Faut pas me prendre pour une autre. Je connais la musique. Demain, les questions devant le juge d'instruction. Comptez pas sur moi pour faire votre boulot. Excusez-moi, madame Latroche. On a dû vous le dire. La mauvaise graine, ça s'améliore pas. Même à la campagne. Alors, commissaire, vous m'embarquez ? Commissaire, excusez-moi, commissaire, je viens de penser à quelque chose. Que se passe-t-il ? Les tableaux de Latroche. Hein ? Où sont-ils ? Est-ce que vous les avez vus dans le grenier ? Au fait, non, je les ai vus nulle part. Madame Latroche, où sont-ils, ces tableaux ? Vous n'êtes pas obligé de leur répondre, madame Latroche. Toi, Taline, occupe-toi de tes affaires. Vous pouvez toujours les chercher, vos tableaux. Il y a des années que je les ai brûlés. Ces sales croûtes. C'est ce que vous cherchiez au grenier, n'est-ce pas, madame Roanne ? C'est ce que je cherchais, oui. Et puis, je voulais me pendre. Mais j'ai pensé à mes gosses. Ils ont besoin d'une mère. Mais enfin, commissaire, l'absence des tableaux, ça change tout, non. Quoi ? Non. Comment non ? Non. Pourquoi ? Franchement, cette histoire de tableau me semble tout à fait secondaire. Monsieur Grimm,
J'en ai pas fini avec vous. Encore? Je vais vous faire reconduire à votre hôtel. Vous me ferez le plaisir d'y rester. Je vous remercie, oui. Vous n'êtes pas encore innocenté complètement. Je sais. Si c'est pour les 100 000 francs d'options que vous venez, vous pouvez repartir. Je vous les rendrai pas. Ce n'est pas pour ça que je suis ici. Qu'est-ce que vous faites? Vous repassez? Ah, j'ai pas sommeil. Et Tanine a tout laissé en plan quand les gendarmes l'ont emmené. Alors, je travaille. Madame Latroche, je suis justement venu vous parler de Tanine. Vous ne pouvez pas la laisser en prison. Ah non! Et pourquoi? Parce que vous savez qu'elle est innocente. Moi, je ne sais rien du tout. On a trouvé l'argent sous son matelas. Je viens de l'inventer, peut-être. C'est insensé, alors vous osez dire une chose pareille alors que Tallinn a caché cet argent sous son matelas pour vous sauver. Vous s'accusez à votre place. Comment? À ma place? Oui, Madame Latroche, c'est vous qui m'avez assommé sur le port. Vous ne dites pas de contraire, c'est inutile. J'ai tout compris quand vous avez avoué tout à l'heure que vous aviez brûlé depuis longtemps les tableaux de votre mari. Mais qu'est-ce que vous avez compris? Il n'y a rien à comprendre. Oui, ben c'est pourtant clair. Clair et navrant. Plus je pense à vous, plus je vous plains, Madame Latroche. Vous avez tout raté dans votre vie. Quand vous êtes jeune, vous voulez de l'argent. Pour arriver à ça, vous épousez un type qui aurait pu être votre grand-père. Un mari comme celui-là ne fait pas long feu et vous avez de l'espoir. Un beau jour, ce pauvre Latroche casse sa pipe. Et là, premier déboire, vous vous faites soulever la fortune que vous escomptiez. Car vous n'aviez pas prévu les héritiers. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas, hein? Oh, c'est ça. Tout ce qui vous reste, ce sont les toiles. Et elles ne valent rien. Alors, folle de colère, vous les brûlez et puis vous vivez petitement, vous oubliez. Vous croyez que j'ai oublié? Un beau jour, j'arrive. J'arrive. Et je vous propose un gros paquet de fric pour des toiles qui n'existent plus. Alors, vous perdez tout une seconde fois. Vous n'avez pas eu le courage de me voir repartir avec ce demi-million. Et vous avez essayé de me tuer. Essayé, hein? Oui. Mais si Tallinn n'était pas partie au téléphone comme une folle, vous seriez mort. Vous avouez? Donc, qu'est-ce que je risque? Si vous répétez à la police ce que je vous dis, je leur raconterai que vous êtes amoureux de la petite. Et que vous mentez pour la sauver. Et Maurice? C'est vous aussi qui avez tué Maurice? Oui, il m'avait épié. Il m'avait vu vous frapper. Il m'a menacé. Il réclamait l'argent, les tableaux. Oh. Les tableaux. Moi, vous vous rendez compte? J'en devenais folle. Et vous laissez accuser Tallinn? Votre Tallinn! Elle n'avait qu'à m'aider à garder l'argent au lieu de me regarder avec ses yeux de chien battu et me répéter « C'est trop dangereux, vous allez vous faire prendre. » Pauvre Tallinn, quand vous en parlez, on croirait que vous la détestez. Je ne la déteste pas. Elle est rien pour moi. Je l'ai trouvée en prison, je l'en ai sortie. J'étais bonne pour elle. Bah, demandez-le lui si vous ne voulez pas me croire. Maintenant, j'en ai assez d'être bonne pour elle. C'est une voleuse. Elle a avoué. Alors, hein? Quel retour nous j'ai prise? Soyez pas ignoble, Madame Latroche. Tallinn a 20 ans, elle a le droit à sa chance. Qui m'a donné ma chance à moi quand j'avais 20 ans? Ce vieux dégoûtant de Latroche avec ses fausses dents et son corset. Il me disait, t'es belle, Madeleine, tu seras riche. Tu seras une des grandes dames de Paris. Je l'ai cru comme une imbécile. Et je suis là, en train de repasser. Vous n'avez pas été heureuse, c'est vrai? Mais c'est pas une excuse. Mais dites donc, vous qui me faites la morale, c'est de votre faute tout ce qui est arrivé? D'abord, vous n'aviez pas besoin de nous mettre cet argent sous le nez. Et puis, ils étaient tous comme une meute autour de moi. Gisèle, maintenant, hein, passe pour une sainte. Parce qu'elle s'est pas pendue. Mais elle vous aurait tué 10 fois pour du fric. Et Maurice, vous croyez qu'il m'aurait laissée vivante? Et Tallinn, c'est pas pour rien qu'elle était en maison de correction. Elle en avait sur la conscience aussi. Oui, peut-être. Mais elle a payé pour ce qu'elle a fait. Parce que vous croyez qu'on paie pour ce qu'on fait? Oui, Madame Latroche, je crois qu'un crime se paie tôt ou tard. Vous avez une lourde dette à acquitter. Et je ne permettrai jamais que vous la laissiez régler par Tallinn, vous entendez? Jamais! Mais un vrai crime, oui, peut-être, ça se paie. Un vrai crime, mais ce vol et la mort de Maurice. Ça, c'était de la légitime défense. Non, un vrai crime, c'est autre chose. Peut-être bien qu'il vaut mieux payer la note. Oh, commissaire. Faites gré! Vous avez dit de rester à votre hôtel. Mon inspecteur vous a vu filer par la fenêtre. Qu'est-ce que vous fichez ici? Commissaire, Tallinn est innocente, commissaire. Il faut la libérer immédiatement. Qu'est-ce que vous me chantez là? Demandez à Madame Latroche. Madame Latroche? Vous avez une déclaration à faire? J'ai commis un crime. Oui. Vous pouvez libérer la petite. Monsieur Grimm a raison.
Taline n'a rien fait. C'est moi qui dois payer. Merci. Vous avouez le meurtre de Maurice de Latroche. Oh, ça, oui. Bien sûr, c'est moi qui l'ai fait. Mais c'est pas un crime. De Latroche. Ce voyou. Comme c'est bête. Monsieur le commissaire, je déclare qu'il y a 32 ans, j'ai empoisonné mon mari, Auguste Latroche. Maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu. Dans la collection Pierre Nord, l'aventure criminelle publiée chez Artem Fayard, collection qui mérite de grands éloges du fait de sa qualité de choix et de traduction, je ne dirais pas que l'ouvrage intitulé « L'homme insaisissable » par Richard Parker est un des meilleurs, mais je dirais volontiers qu'il est un des plus originaux du fait de son sujet, de son cadre et du nonchalant humour de la plupart des situations. Cela se passe en Écosse et cela tourne autour du marché noir, ce qui me semble situer le livre quelque peu en arrière de l'actualité. Mais on sait que le marché noir a la vie dure et que s'il change d'objet, il ne change ni d'ingéniosité ni même de vigueur. L'homme insaisissable, en l'occurrence, est un certain Forban, roi du marché noir anglais et qui se nomme Monsieur Isaac Maris. Traqué par la police mais jamais repéré, il s'est réfugié dans la tutélaire solitude des Landes écossaises, mais la véritable raison de cet exil est l'arrivée dans le pays de M. David Stone, qui vient y faire une cure de repos, en compagnie de sa femme Ruth et de ses 4 enfants, dont le dernier est un bébé. Or, M. Maris guette M. Stone, parce que M. Stone vient de mettre au point une série d'articles sur le marché noir, dont il dénonce les procédés et nomme les chefs. Monsieur Maris aimerait que Monsieur Stone supprimât les noms et atténuât les dénonciations. Sinon, Monsieur Stone, s'il tombe entre ses mains, en verra de dur. Et c'est la famille Stone tout entière guettée sur la route qui tombe, père, mère et enfant, entre les mains de Monsieur Maris et de sa bande, composée d'ilotes et de tueurs. Stone et les siens seront libérés si Stone obtient de son éditeur la communication des manuscrits restés à Londres et dont M. Maris surveillera la révision. Tel est le départ du livre. Ses développements font alterner très adroitement les scènes de brutalité, de violence même, avec les scènes qui relèvent de la plus haute fantaisie. Certes, David Stone n'est pas un héros, mais ce n'est pas non plus un lâche. C'est simplement un homme qui, par nature et par profession, n'est pas destiné à vivre avec des gangsters. La femme de David Stone, mieux armée que lui pour la lutte, n'encaisse pas moins quelques horions. Quant aux enfants, avec la sublime inconscience de la jeunesse, ils ont également leur mot à dire dans ce suspense à la fois divertissant et dramatique. Car, ne l'oublions pas, c'est un suspense, et même un suspense de qualité. Roger Régent nous parle du dernier film qu'il a vu. Nous pourrions vous parler aujourd'hui d'un certain nombre de films policiers ou d'aventures mystérieuses qui viennent de paraître sur nos écrans. Mais, à vrai dire, ils ne sont ni les uns ni les autres très passionnants. Ce Frankenstein qui s'est échappé accroche une nouvelle performance à la panoplie du monstre, mais non la meilleure. Et ces mystères de Paris qui ont été perpétrés en Italie avec quelques vedettes françaises, pensez-vous qu'ils peuvent nous apporter des révélations fulgurantes? Non, bien sûr, et vous ne vous trompez pas. Alors, en ce soir, qui est le dernier de l'année, pourquoi n'abandonnerions-nous pas, pour une fois, le genre de spectacle dont les auditeurs des maîtres du mystère sont à bon droit friands, et ne signalerions-nous pas, tout simplement, à leur attention, quelques bonnes comédies amusantes, gaies, sans prétentions exagérées peut-être, mais qui, dans la limite de leurs ambitions, sont réussies. Reposons-nous donc du suspense et de l'angoisse, et, pour un soir, allons-nous distraire du côté de la comédie cinématographique. Comédie d'origine française qui est très réussie. Il s'agit d'Une Parisienne, un film de Michel Boiron, dont nous n'avions guère apprécié il y a quelques mois l'adaptation de Lorsque l'enfant paraît. Cette fois, Michel Boiron a parfaitement réussi dans ce qu'il s'était proposé de faire,
une Parisienne qui est pourtant un scénario original de Annette Vadement et Jean Aurel, pourrait être une pièce, et même une comédie musicale, comme Le Prince et la Danseuse, que nous avons vu récemment avec Laurence Olivier et Marilyn Monroe. Mais le metteur en scène a su très bien déthéâtraliser ce sujet, et il l'a réalisé dans un mouvement vif et cinématographique. Michel Boiron a indéniablement des idées visuelles. On sent qu'il a derrière lui un long apprentissage avec René Clair, dont il fut assistant. L'élève a su profiter des leçons de son maître. Voilà donc un film charmant, bien enlevé, remarquablement joué par Charles Boyer, Henri Vidal, Nadia Gray et André Luguet. Quant à Brigitte Bardot, elle ne joue pas à proprement parler, mais elle incarne un certain type de femme très représentative de son époque, et alors qu'elle nous avait toujours paru jusque-là affreusement fabriquée et irritante, elle devient dans une Parisienne beaucoup plus détendue et même spontanée. Nous voilà réconciliés avec elle. Je pourrais vous dire quelques mots aussi de Charmant garçon, un film de Henri Decoing dont la première partie est amusante. C'est la réplique, le contre-champ si l'on veut, d'Adorable créature qui était une satire des femmes. Ici, c'est des hommes qu'il s'agit. Et l'auteur ne se montre pas plus tendre envers eux qu'il ne l'avait été pour nos charmantes compagnes. Mais l'excellent Charles Spack, qui a écrit le scénario et le dialogue, a malheureusement flanché dans la deuxième partie. L'histoire se perd dans les sables, les personnages se défont comme des ronds de fumée, et l'on s'amuse tout à coup beaucoup moins. Mais si ces charmants garçons ne sont pas entièrement satisfaisants, ils ont la chance de compter parmi eux, si l'on peut dire, Mademoiselle Renée Jeanmaire, qui pourrait être un personnage de comédie tout à fait exceptionnel si l'on savait employer ses dons. Elle est, comme l'on dit au théâtre, un tempérament, une nature. Souhaitons qu'elle trouve des auteurs de cinéma qui sachent le comprendre. Nous voilà bien loin du suspense et du mystère, mais un soir comme aujourd'hui, il était bien permis de rengainer les poignards, de remettre dans leurs flacons les poisons et d'aller rire un peu. Et avant de vous souhaiter une bonne année et une bonne nuit, formons ensemble des vœux pour voir beaucoup de bons films, beaucoup de bonnes pièces et le triomphe éternel de Sherlock Holmes. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre du roman policier, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Le rendez-vous d'Honfleur, d'après le roman Pauvre petite crevette de Geneviève Manseron, adapté par l'auteur, avec, par ordre d'entrée en onde, André Var, Geneviève Morel, Ginette Franck, Pierre Trabeau, Rosie Varte, Jean Mauvais, Pierre Leproux, Philippe Mareuil, Lily Sioux, Micheline Bonnat, Becky Rosanès, Evelyne Langeais, André Vastelet, Gaëtan Jor, Jean Bollo, Raymond Pélissier et Pierre Olivier. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean. Bruitage, Gabriel de Rivage. Prise de son, Jean Godet. Opérateur, Charles Marié. Assistante, Marie-Denise Vanda. Réalisation, Pierre Billard.